Bonsoir. Entre le ciel et l'eau, Saint-Martin, et près de 3 heures d'entretien entre François Mitterrand et George Bush. C'est toujours dur d'avoir à quitter le paradis, a déclaré aux journalistes le président François Mitterrand. Le climat relationnel était lui aussi au beau fixe. Très bonne entente, a déclaré François Mitterrand. Rapport privilégié, a répondu George Bush. Ce mini-sommet devait évoquer notamment la situation en Europe de l'Est, après la chute de tous les murs. Bruno Cortès a suivi les deux chefs d'État. C'est Alain Gillot-Pétré qui va vous donner des nouvelles du temps, notamment dans l'Ouest où le vent souffle assez fort. Et puis demain, Bruno Mazur pour votre information. Et on se retrouve demain soir à peu près à la même heure. Bonne fin de soirée avec Nicolas Hulot et Ushuaïa. Infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Madame, Monsieur, bien le bonsoir. Pour la deuxième journée consécutive, la météo nationale a émis ce que l'on appelle un avis d'alarme, puisque la tempête est toujours à proximité de notre pays, avec des vents semblables à ceux d'aujourd'hui, savoir 145 km/h enregistrés en Bretagne, 95 km/h dans le sud-ouest, 80 km/h à Paris. Peut-être pas beaucoup de rafales, mais la puissance y était. Voici la journée telle qu'elle s'est déroulée sur notre pays. Beaucoup de nuages, la perturbation a traversé le pays, plutôt dans le sens sud-ouest-nord-est. Ça se dégageait en Bretagne, c'est le front froid qui ondule. On va mieux voir en élargissant le champ de l'animation, on voit bien même cette très jolie dépression tempétueuse avec son front froid associé qui ondule. C'est le cœur même de cette dépression qui va venir à proximité du pays demain. Voilà pourquoi la météo nationale émet toujours un avis de tempête. Tracez la carte, vous retrouvez cette dépression à 945 millibars. À 5 millibars près, c'est ce qui était prévu. C'est une vaste tempête puisque, regardez, elle occupe pratiquement toute l'image. Elle ne peut pas aller au sud parce qu'il y a un anticyclone qui l'en empêche. Donc, elle va vers le nord-est. La météo nationale prévoit donc pour demain matin le temps suivant. Vous aurez le front froid avec des pluies épisodiques, disons du Roussillon au nord-est et aux Alpes. Et sur les Alpes, et notamment les pré-Alpes, par effet de soulèvement, les précipitations pluvieuses pourraient être abondantes. Des nuages près de la Méditerranée. À l'arrière, c'est un ciel de traîne, alternance de petites éclaircies et de passages nuageux nombreux, accompagnés sur le quart nord-ouest de rafales de vent de 80 km/h à l'intérieur, 100 sur les côtes de l'Atlantique, toujours 150 en Manche. Des orages, de la grêle et de la pluie. L'évolution de l'après-midi, ça va s'arranger dans le midi. Là, le temps sera très agréable. Vous retrouverez encore quelques résidus pluvieux sur le nord-est, mais ils partiront. Plus vous irez vers le nord, plus vous trouverez de nuages. Et surtout sur les côtes de la Manche, où le vent, là, soufflera toujours jusqu'à 120 km/h de secteur sud-ouest sur les côtes et 80 km/h à l'intérieur. Cette zone aussi se décale vers le nord-est. Les températures prévues pour demain matin s'échelonneront de 8 degrés à Lille, Rouen et Bourges pour atteindre 15 degrés, magnifique, dirais-je, comme minimum, dites, ça n'est pas mal, hein, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Marseille et à Ajaccio. Vous voyez que c'est très doux partout. L'après-midi aussi, 21 degrés par effet de Fena Biarritz, profitez-en bien, et 13 degrés qui ne sont vraiment pas froids, à Cherbourg, à Lille et à Reims, 14 en région parisienne. J'allais oublier la Corse, 21 degrés à Bastia. Mais les Corses sont gentils, ils ne m'en auraient pas voulu. Bon vent à vous, merci, bonsoir.